Vidéo cinéma cette fois-ci avec un nouveau film, un film vu en salle, un film qui était très attendu, il s'agit de Nope. Nope donc, ou Ben Non au Québec, est un film réalisé par Jordan Peele, dont je vous montre ici la face. Voilà, c'était ma meilleure blague. On va en passer maintenant réellement à la fiche technique du film, donc réalisé par Jordan Peele comme je l'ai dit, donc, il a également écrit le scénario du film. À la musique, on retrouve Michael Abels. C'est un film américain qui dure 2h15, ce qui est quand même pas rien, et qui est sorti le 10 août 2022. Au casting, on va retrouver entre autres Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott, Keith David ou encore Oz Perkins. Un joli petit casting, donc essentiellement composé de noms assez typiques du genre du film dont on va reparler. Mais on en vient tout de suite à l'histoire. L'histoire de Nope, c'est celle d'une famille qui s'occupe de chevaux dans un ranch et qui élève notamment des chevaux pour le cinéma. Il se trouve que celui qui gère le ranch actuellement, à la mort de son père, a un peu de mal à trouver du boulot, mais surtout un jour il va lever les yeux et il va voir une espèce de soucoupe volante dans le ciel. Alors qu'est-ce que c'est? Où est-ce que ça nous mène tout ça? Bah je peux malheureusement pas en dire beaucoup plus puisque le film repose beaucoup sur son twist, donc on va en revenir très vite à mon avis. Alors, Nope repose sur son twist, certes, mais contrairement à un film de Shyamalan, c'est pas le seul intérêt du film. Et c'est pas le cas non plus dans tous les films de Shyamalan, hein, bien sûr, qui reste un grand réalisateur. Mais encore moins dans Nope, puisque le twist arrive finalement bien avant la fin du film. Nope, il va reposer sur différentes choses, et notamment sur l'écriture de Jordan Peele, qui en trois films a réussi à s'imposer comme un des auteurs les plus intéressants à suivre. Son Get Out avait surpris tout le monde, Us tout autant, même si les réactions avaient été un peu plus mitigées, et Nope est en train de faire plus ou moins l'unanimité. Et pourtant, c'est pas un film qui est destiné à fonctionner tant que ça. C'est un film qui va mélanger les genres, alors on se retrouve avec un peu de science-fiction, évidemment, étant donné le pitch, c'est logique. Un peu d'horreur, un peu de comédie même, un peu de drame. On a un mélange de genres qui fonctionne parfaitement bien, et dans ces genres, il y en a un que j'ai pas cité, et que je ne citerai pas parce que justement, il fait tout l'objet du twist. Autant dire qu'on nage en terre un peu inconnue, qu'on peut être surpris et surtout qu'on peut être étonné du coup d'un démarrage un peu lent. Alors un démarrage lent qui en fait se justifie par le désir de raconter toute l'histoire, le désir même de glisser des scènes dont on peut se poser la question de l'intérêt mais qui en fait en ont un, puisque le film a tout un tas de sujets et notamment, aussi bizarrement que ça puisse paraître, l'exploitation animale, notamment à Hollywood. On utilise des animaux, on les exploite, on connaît pas forcément leur réaction, on les sort de leur univers, de leur monde, on les glisse autre part, et s'il y a un problème, ben ce sera de leur faute. Alors évidemment, exploitation animale, mais finalement ça touche aussi les humains, et le film d'ailleurs va le montrer en parlant également d'une forme d'exploitation humaine. On va revenir un peu sur de l'esclavagisme, ou des commentaires qui sont finalement assez habituels dans le cinéma de Jordan Peele, mais qu'il arrive toujours à détourner pour en faire quelque chose de plus intelligent que ce qu'on pouvait en attendre. Et ce sera le cas donc dans Nope, qui est un film bien plus intelligent que tout ce qu'on aurait pu en attendre, tout ce qu'on aurait pu croire. Et le mieux, c'est que quand il fait de l'horreur, eh ben, il le fait super bien. Il y a une scène totalement effrayante qui se termine plus ou moins dans la comédie, mais qui démarre dans une forme d'horreur qui est réellement, mais vraiment flippante. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que la musique est particulièrement bien gérée dans le film. Il y a de longues plages de calme, de longues plages de vide dans lesquelles seuls certains bruits vont se faire entendre, et ça va donner vraiment cette ambiance très particulière qu'on retrouve dans Nope. Une ambiance qui est aussi appuyée par la photo, par la couleur de l'image et par la mise en scène qui est très bien gérée. Alors on peut avoir quelques doutes sur les effets visuels. Après dans les faits, au vu du twist, c'est difficile de les mettre en cause étant donné qu'on ne sait pas réellement si oui ou non c'est justifié. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'à l'écran ça rend des fois un peu bizarre. Un peu bizarre mais au moins ça a l'avantage d'être original. Côté casting, bah, tout est quasiment parfait. Les acteurs sont tous très bons, ils sont super impliqués dans leur rôle et surtout ils comprennent ce qu'ils doivent jouer, ce qui n'est pas toujours le cas. Ici, ils le savent et ils vont le jouer jusqu'au bout. Alors que dire de plus sur Nope? Bah, c'est compliqué parce qu'on pourrait faire toute une étude du film, sauf que on va vous révéler des choses et c'est pas le but. Le but, c'est simplement de vous dire ce que je pense du film et en l'occurrence, j'ai pas envie de tout vous spoiler. Et si je vais trop loin, je vais justement tout vous spoiler. Nope, ça parle pas seulement d'exploitation animale, ça parle aussi du désir de divertissement de l'humain jusqu'à un point qui va parfois beaucoup trop loin. Et donc c'est un film que je vous conseille grandement de le voir en salle si possible où il rendra encore mieux. Bref, allez voir Nope, c'est en salle actuellement et ça vaut vraiment le coup. Si vous l'avez déjà vu, je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.